Et après que j'étais en train de pleurer, il m'a dit, il faut maintenant que tu vives la sentence des chrétiens dans ces cellules-là. Pas seulement que tu regardes, il faut qu'on repasse dans la tenue des chrétiens. Et que tu vives chaque douleur qu'ils vivent ici-là. Comme ça, tu pourras mieux t'exprimer et mieux expliquer cela. Mais si tu ne ressens pas la douleur, si tu ne ressens pas les douleurs qu'ils ont, comment tu pourras expliquer cela? Mais j'ai refusé, j'ai senti que là, c'était terrible ce que j'allais vivre. J'ai dit non Seigneur, je ne peux pas vivre ça, même sur la terre, je ne supporte pas les douleurs, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre ces douleurs, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Et il m'a dit, il faut que tu ailles parler aux chrétiens. Il faut que tu ailles parler aux hommes de Dieu. Il faut que tu ailles parler à tous les hommes. Il faut que tu ailles parler à ta famille. Commençons par ta famille. Il faut que tu parles de tout ce que tu verras. Mais pour que tu parles avec efficacité, il faut que tu vives les mots que cela les chrétiens vivent ici. Et j'ai commencé à me débattre. Je disais, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas entrer dans les cellules. Je ne veux pas entrer dans les cellules. Tellement je me débattais que je suis sorti de ces songes épouvantables. C'était horrible. Oh, Karel. C'était horrible, papa. C'était horrible, maman. C'était horrible, tonton JB. C'était horrible. Horrible. Horrible, horrible, horrible de voir papa tonton Jean-Pierre là-bas. Horrible de visiter ce lieu. Horrible de vivre cette situation. Horrible, je ne veux pas qu'un autre vous aille là-bas. S'il vous plaît, repentez-vous et revenez au Seigneur pour ceux qui se sont déjà détournés. Ceux qui n'ont pas reconnu le Seigneur, c'est le moment d'accepter Christ à Paterne. Je te prie, je te le prie vraiment. Change de vie. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Fais-toi baptiser. Suis ses consignes. Arrête toutes les vanités que tu fais, la boisson que tu bois sur la terre. Si tu meurs dans ta condition, il y a baptême. C'est directement l'enfer. C'est un Dieu horrible. C'est un Dieu horrible. Recombat les petites filles que vous suivez là. S'il arrive que vous mourrez comme ça, c'est directement l'enfer. Parce que la fornication mène en enfer. Si vous voulez être dans les relations, s'il vous plaît, vous voulez avoir des rapports sexuels, mariez-vous. Mariez-vous, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Sortez de tout ce qui est vanité. Sortez de la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer. Mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous. Mais de savoir où tu iras. Il y a deux lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler. Ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler. Quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit, le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations, même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier, mais tu ne sais pas demander pardon à Dieu. Je t'en prie, sortons de tout ça, sortons de tout ça. Faites passer le message aux autres, Corinne, Bijou. Faites passer le message à toute la famille. Je ne peux pas écrire à tout le monde. Mais si vous avez l'opportunité de croiser quelqu'un, dites-leur que l'enfer est réel. Que l'enfer est réel. Et que l'enfer est réel. Et que l'enfer est réel. Ce n'est pas une blague. C'est une réalité. Je ne peux pas vous décrire. Mais c'est une réalité. Saisissez le message de Dieu. Et retournons au Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est l'occasion qu'il vous offre de pouvoir l'accepter. Une simple prière pour l'inviter dans ta vie. Passez par les eaux de baptême. Suivez ses directives, je vous en prie. Au moins soyez dans la voie pour le ciel et non pour l'enfer. Car je t'en prie, fais écouter le message à tout le monde. À tout le monde. Yazita. Je t'en prie, introduisez les enfants dans le Seigneur, ne leur laissez pas vaquer à des choses viles, même les dessins animés là, vérifiez ce qu'ils suivent, qu'est-ce qu'ils entendent, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ta foi va venir de ce que toi tu vois ailleurs. Regardez, s'il vous plaît, regardez les enfants, amenez-les au Seigneur, conduisez-les dans la voie du Seigneur. J'ai déjà en âge de connaître le bien et le mal. Ici en âge de connaître le bien et le mal. Amenez-les. Dali en âge de connaître le bien et le mal.
Ramenez les enfants au Seigneur. Maman, arrête de te préoccuper des choses terrestres. Arrête de vous préoccuper de votre vie. Ma vie est devenue comme ça, ma vie est devenue comme ça. Si c'est la vie que Dieu a décidé que vous vivez sur la terre, acceptez-la, mais accrochez-vous au Seigneur. Que votre condition, votre situation ne vous éloigne pas de Dieu. Papa, ne désespère pas. Mais je t'en supplie, travaille pour préserver ton salut. Travaille pour t'accrocher au Seigneur. Chaque jour, travaille pour amener tes enfants dans le Seigneur. Demande à Dieu la grâce de faire grâce. Que nous tous nous soyons dans le Seigneur. Que nous soyons sauvés. Tonton JB, je t'en prie. Cochez l'évangile de vérité aux enfants. Amenez les enfants dans le Seigneur. Amenez les enfants dans le Seigneur. Vous qui êtes leader dans les assemblées. Amenez les âmes au Seigneur. Prêchez l'évangile de vérité. Prêchez l'évangile du salut. Je vous en supplie. Homme de Dieu, femme de Dieu. C'est pas le ministère qui importe, c'est pas la prophétie, c'est pas les miracles, c'est l'obéissance au Seigneur. Soyez obéissants à la voix de l'Éternel. Il a dit c'est mieux lorsqu'il n'a pas recommencé à parler. S'il n'a pas commencé à interpeller un homme, c'est encore mieux pour toi parce qu'il va continuer à t'interpeller. Mais lorsqu'il a commencé déjà à t'interpeller, fais attention. À chaque fois que tu foules au pied sa voix, parce que le jour que ce temps viendra, tu n'auras plus d'opportunité. Saisis l'opportunité de Dieu. Je t'en prie. Je t'en prie.